je m'approche de toi, un pécheur sauvé par grâce, un pécheur qui s'attend en Christ, un pécheur justifié par une œuvre de la croix. Mais comme Isaïe, je dis, je suis un homme aux lèvres impures. Qui suis-je pour amener ta parole et avoir même le droit de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Voici qu'est-ce que la Bible dit. Au Père, je te demande littéralement, fais-moi disparaître ce matin et présente-toi auprès des frères et sœurs. C'est toi qui vois et toi qui entends. Éclipse-moi totalement dans toute ma faiblesse et toutes mes imperfections, et que ce soit seulement toi qui es entendu ce matin. Je te remercie, Père, pour toutes ces luttes que tu as passées avec moi à travers ce mois face à ce passage, cet enseignement, cette vérité, que maintenant je veux partager à mes frères et sœurs. Que toute résistance face à ta parole, surtout à toutes ces demandes demandantes, puisse être abandonnée ce matin. Amène les cœurs à se soumettre à ce que tu dis. À prendre bien au sérieux les demandes, les impératifs, les commandements de ta parole. De prendre bien au sérieux de se dire chrétien veut dire j'obéis à Jésus-Christ. Père, aide-nous en tant qu'assemblée de réaliser que notre vie est faite pour être ensemble et non des individus séparés chacun de notre bord. Parle à nos cœurs, parle à nos vies et qu'on t'entende et que ça tremble en nous. Père, laisse pas cette parole rester seulement pour ce matin. Que ça demeure et travaille dans nos cœurs. Comme les puritains disaient, travaille la conscience de mes frères et sœurs pendant cette semaine. Pique-les au vif encore et encore et encore pour leur rappeler qu'est-ce que tu as dit ce matin. Et que ça travaille et que ça s'accomplit dans leur vie. Comme dans la mienne. Toujours plus à l'image de Christ, ce n'est pas juste une belle parole qu'on dit, c'est vraiment notre désir. On veut être comme Christ. Travaille notre personne même pour qu'on veuille et qu'on se réjouisse et qu'on se régale de ta volonté ce matin. Amen. Amen. Donc, oui, un peu comme mon frère le disait, mon désir, c'est de continuer à vous présenter ce que ça veut dire de vivre ensemble. Une série d'études qui avait comme but de vraiment voir ce que ça veut dire de vivre dans une communauté de croyants. Bien sûr, mon intention, c'était jamais de ramener ou essayer d'imiter les premiers croyants comme dans Actes. Vous savez, les gens qui avaient tout partagé et qui vivaient ensemble, et ainsi de suite. Mais j'ai quand même voulu prendre des vérités intemporelles de la Bible. Des vérités qui s'appliquent à nous, les chrétiens au Québec, comme ceux en Chine. Peu importe le temps ou la place, on devrait vivre ceci parce que c'est ça que la Bible dit. Il faut comprendre que de connaître Dieu, c'est de reconnaître qu'il y a une certaine ordre, une structure pour l'Église, et je ne parle pas des réunions, je parle de la vie ensemble. Cette série m'a été inspirée, si je peux dire, du livre de M. Dietrich Bonhoeffer, qui s'intitule « La vie ensemble ». Je n'ai pas basé l'étude sur son livre, comme j'ai dit, c'est des passages clés qui enseignent comment vivre ensemble. N'empêche que le sujet de ce matin, la confession mutuelle, la confession les uns aux autres, c'est un des chapitres dans son livre. Sauf que son approche, lui, c'était plus de discuter de ses opinions ou ses réflexions. Moi, ça va être d'exposer un texte. Le texte, bien sûr, c'est Jacques chapitre 5. Donc, oui, vous pouvez tourner dans Jacques chapitre 5. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on recule vers l'arrière, on se rappelle qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui, je vais faire de la répétition. Mais comme Paul et Pierre, ils disent à leurs lecteurs, la répétition est pour votre bien. Donc, on avait commencé avec l'idée qu'on est des membres du corps de Christ. Notre identité. De réaliser que Dieu, il n'avait pas comme plan de sauver des individus éparpillés un peu partout. Des beaux petits flambeaux. Non, il voulait un peuple. Il voulait un corps qui représente Christ au monde. Il faut que ça rentre dans nos têtes dures et nos cœurs de pierre. On est appelé à prendre qu'est-ce qu'on a pour le bien du collectif. Et quand je dis ça, croyez-moi, je dis ça à moi-même. En cas vous ne saviez pas, je suis quelqu'un de monastique, ascétique, tendance stoïque. Donc, depuis 2 ans, Dieu travaille durement sur moi pour me montrer c'est quoi de vivre ensemble. Parce que
Personnellement, depuis 20 ans, tout ce que je connais, c'est moi seul avec Dieu. L'idée d'avoir besoin des autres, ouais, je ne connais pas ça, je connais juste avoir besoin de Dieu. Qui peut sembler spirituel, sauf que Dieu, comme je n'arrête pas de dire, ce qu'il veut, c'est un peuple uni ensemble. Donc, ce qui est triste à dire, c'est que ce sujet de la confession mutuelle est en réalité mis de côté, dénigré. Je dirais même que c'était ramené au niveau de lavage des pieds. Je veux dire, on en parle vraiment. La différence, c'est que la confession mutuelle, c'est un commandement dans la Bible comparé au lavage des pieds. Même quand on regarde l'histoire chrétienne, quand il y a eu des grands réveils ou des débats, ce n'est pas un sujet qu'on discute. Pendant la grande réforme, là, quoi, que tout le monde connaît, on a parlé de la scène, on a parlé du baptême, de la Bible. Bon, pas vraiment ça, c'est pas important. Il y a juste Martin Luther qui en a parlé. Lui, il a même instauré dans son église l'idée qu'on devrait se confesser les uns aux autres. Sauf que plus tard, l'église luthérienne a mis ça de côté. C'était pour ça que M. Bonhoeffer, pasteur luthérien, l'a ramené de l'avant dans son livre en disant « Hey, c'est un commandement de la Bible, on devrait le vivre. » Et tantôt, j'ai vraiment choisi mon mot, le vif du sujet, parce que je vais toucher des cordes sensibles. Vous éreflez, vous dérangez. Mais comprenez une chose, ça fait un mois que Dieu me dérange avec le sujet. Ça fait un mois que je lutte face au texte, pas pour le comprendre, non, c'est le vivre maintenant. De réaliser que je suis redevable face à ce que Dieu m'a montré. Que si je veux vraiment être sincère face à ce que ça dit, ben je dois pratiquer la confession mutuelle maintenant. Et même si depuis les derniers mois, Dieu m'a dénudé spirituellement devant plusieurs églises, n'empêche que devant les gens que je dois côtoyer, ouais, ça ne me tente pas. Sauf que je peux en présenter le texte froidement et dire, c'est ça la confession, faites-le. Ou je peux faire comme Paul. Soyez mes imitateurs comme je cherche, en faire sur je cherche, à être l'imitateur de Christ. Ceci dit, là on est prêt à rentrer dans le passage, de lire les versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficace. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna la pluie et la terre produisit du fruit. Avant même d'essayer d'exposer le texte, il faut qu'on comprenne le contexte. Ça peut sembler des détails inutiles, mais vous allez voir qu'ils sont grandement utiles. Concernant le contexte large, on sait que l'auteur, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, et qui crie aux Juifs, aux chrétiens, désolé, qui sont en train de sauter. Merci. Facile à dire. Mais fort probablement, il fait référence à ces chrétiens dans Actes 7 et 8 qui sont persécutés par un certain Saul de Tarse. Il doit sauver pour leur vie. Donc, il écrit à des chrétiens qui souffrent. Il écrit à des chrétiens qui ne vont pas bien. C'est en tête quand on regarde Jacques. Je dirais aussi que Jacques a une approche sapientielle dans le sens que c'est un livre de sagesse. Un peu comme Proverbe. C'est, ça fonctionne dans Proverbe? On sort d'un sujet à l'autre. C'est, des fois, c'est même un verset après l'autre. Hein, ou du coq à l'âne, comme on dirait. Pensez à son grand frère lorsqu'il enseigne le sermon sur la montagne. Les béatitudes, la vraie religion, le jeûne de la prière, il ne faut pas juger. Il s'est promené un peu partout. C'est ça que Jacques fait. On peut même le voir dans chapitre 5, verset 12. Okay? Verset 12, il parle du fait qu'on devrait être vrai, c'est-à-dire le oui, oui, non, non. Il ne faut pas faire de faux jurements. Hein? Garde ta promesse. Puis là, ensuite, dans le verset 13, boum, un autre sujet. Pas de lien, pas de façon connectée. C'est pas comme Paul qui construit des arguments qui nous donne plein de sagesse à ses premiers chrétiens. Ça, c'est bon de garder en tête. J'espère que vous avez pris des petites notes ou des notes mentales que moi, je fais.
Et ça nous amène maintenant au contexte plus proche, le passage en soi. Où est-ce qu'on... Cette fois-ci, je vais vous aider avec d'autres informations. Je les mets au mur. Alors, je dois me confesser sur le fait que je me suis mélangé avec deux thèmes, thème et sujet. Donc, je vous demande pardon, je n'ai pas prétendu les corriger. Qui veut dire ici, ce serait le sujet principal, c'est la prière. On peut voir ça, chaque verset parle de la prière. Jacques veut enseigner à ces gens-là l'importance et la puissance de la prière. Donc, quand on parle de la confession, il faut qu'on implique le fait que ça parle de prière. Ensuite, un des principaux, c'est le mal, dans le sens, ça fait mal. Verset 13, souffrance. Verset 14, maladie. 15, maladie. 16, péché. Toutes les choses qui font mal. C'est clair que Jacques parle des souffrants, leur parle de du mal. Et finalement, la direction qu'il prend, c'est progressive. Pensez un peu à Jésus lorsqu'il enseigne sur la discipline. Je peux vous en rappeler un peu. Premièrement, tu dois reprendre ton frère seul. Ensuite, tu impliques les anciens. Ensuite, tu impliques l'Église. Qu'est-ce que Jacques dit? Tu pries seul. Ensuite, tu impliques les anciens. Ensuite, tu tournes vers les uns les autres. Même sorte de progression. Il imite son grand frère. Mais je vous dirais que le thème et le sujet, c'est la même chose. Ça va en progression. Mais ça, on va voir en temps et lieu. Donc là, on est prêt pour s'attaquer au passage en soi, où est-ce qu'on voit que Jacques commence avec des questions pour nous faire réfléchir et des questions qui s'adressent à deux sortes de personnes. Je vais oser dire que c'est les deux sortes de chrétiens qui peuvent exister. Tu as ceux qui vont pas bien, ils souffrent, puis tu as ceux qui vont bien, ils ont de la joie. Ou si vous êtes comme moi, vous êtes joyeux de souffrir. Moi, je suis pas normal. Non, donc, premièrement, souffrance, douleur. Des fois, ça veut dire méchanceté. Comme j'ai dit, ça fait mal à l'intérieur. Et qu'est-ce que Jean dit? Il faut que ça sorte. Prie. Exprime-toi à Dieu. Demande-lui de l'aide. C'est la même chose pour celui qui est joyeux. Exprime-toi. Chante des cantiques. Mais arrêtez-vous pas à juste chanter des cantiques comme moi, je ne suis pas bon pour chanter. Exprime ta joie. Pensez aux psaumes. Il y a plein de façons d'exprimer notre louange envers Dieu. C'est ça, Jean nous dit. C'est tellement important cette idée de faut que ça sorte que j'aimerais justement le mettre sur ma tablette théologique. Conception que j'ai mis ensemble il y a quelques temps où est-ce que je prends un sujet, je le mets de côté pour tout de suite, pour qu'on en parle plus tard. Donc, il faut que ça sorte. On va revenir sur cette idée-là tantôt. Pour tout de suite, on continue. Où est-ce qu'encore une fois, il pose une autre question, Jacques. Il nous demande, y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Bon, c'est là que ça se garde. C'est là que les débats sortent. Parce que le mot que Jacques utilise, simplement dire faiblesse. C'est tout. Faiblesse. Et donc, il y en a qui vont dire clairement la part de faiblesse physique, maladie, comme vous voyez ici dans la traduction. Ils vont dire le contexte le montre clairement. D'autres, comme MacArthur, vont plus poser des arguments pour démontrer que non, on parle de faiblesse spirituelle, ou si vous voulez, émotionnelle, mentale, intérieure. Un des arguments qu'il va utiliser, c'est le fait que le mot faiblesse ici, plus souvent qu'autrement, la majorité du temps, dans le reste du Nouveau Testament, c'est traduit par faiblesse spirituelle. Pensez à Romains 14, 1. On l'a vu ensemble, hein? Faible dans la foi. Ça n'a pas rapport avec le physique, là. Personnellement, quand j'arrive à un débat comme ça, moi, je vais à la simplicité. Ça dit faiblesse. Restons à ça. T'es faible. T'es si faible que t'es pas capable de prier. Parce qu'au début, on dit tu souffres, donc tu pries. Mais ici, t'es tellement faible, tout ce que tu peux faire, c'est appeler à l'aide. Même pas capable de prier, garde, venez m'aider. Qui nous rappelle qu'il faut appeler à l'aide. Ça, c'est quelque chose que je me prêche à moi-même, je le sais. Et quand tu es un stoïque niveau 10, j'ai inventé le niveau en passant, bien, les gens ne savent pas quand tu vas vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Donc, appelle à l'aide. Il dit appelle les anciens, les dirigeants, les pasteurs, des termes interchangeables. Puis on comprend pourquoi. C'est eux qui ont été formés pour ça. C'est normal que appel, ça va être vers les gens qui ont été équipés pour aider les brebis, encore plus les brebis faibles. Donc, jusqu'à date, ça fait du sens. Ensuite, il dit que ce que les anciens vont faire, c'est prier. Pas amener du counseling biblique, ils vont prier. C'est ça la première chose à faire. C'est quand on a vu ensemble l'idée de supporter le fort envers le faible. Ou est-ce que là, je m'attendais beaucoup sur le fait qu'on doit comprendre que c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas de dire, c'est pas de changer la vie de la personne, c'est juste d'être là. Mais dans ce contexte, prie.
esprit. Donc, jusqu'à là, ça fait du sens. Et je pense que vous savez que je m'enligne, hein? En louant d'huile au nom du Seigneur. Quoi? De quoi tu parles? Et tous les commentateurs, tous, disent une seule chose. Vous savez, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas comment l'appliquer. Il y en a qui sont encore plus poules mouillées, comme Calvin et Luther, qui disent simplement ça, c'était pour les apôtres, pas pour nous. Passe par-dessus. Ouais, je ne vais pas faire ça ce matin. Certains suggèrent l'idée que c'est l'idée médicale. Vous savez, l'huile était utilisée pour guérir des plaies. On voit ça, le bon samaritain. Mon problème, c'est que ça sous-entend que c'est clairement une maladie physique ou une faiblesse physique. Je ne suis pas encore prêt de dire ça, moi. De l'autre côté, il y en a qui vont partir du parler du symbolique. Vous savez, comme dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient loin d'huile, c'est les gens qui étaient mis à part pour Dieu. Donc, c'est un rappel, Dieu est avec toi. Le problème ici, c'est que le mot « oignant » ou « oindre », ce n'est pas religieux. C'est l'idée de mettre, appliquer ou même de presser, de masser de l'huile. Un peu comme les athlètes blessés. Donc là, j'étais vraiment confus. Je me suis dit, je vais aller vers la personne qui peut m'aider. Et je n'ai pas parlé avec Benoît. Voici qu'est-ce que lui a fait de cette information-là. J'ai dit, je sais pas. Non, ce qu'il a apporté, c'est de voir ici, face à toute cette information-là, que Jacques nous montre une image pour nous faire réfléchir sur le fait que l'aide que tu apportes, c'est à long terme. Un peu comme quand on parle de supporter, encore une fois, tu restaures à long terme la personne. Tu ne sais pas faire une petite cérémonie, mettre de l'huile, boum, tout est fini. Tu vas aider longuement, comme tu vas masser la cellule blessée encore et encore et encore, parce que c'est une longue guérison. Moi, j'ajouterais, étant quelqu'un qui est fanatique de la grammaire, que le verbe au verset 14, « prie », c'est le verbe principal du verset. Ça veut dire qu'avant de parler, par-dessus l'idée de « oint Dieu », c'est « prie », c'est ça qui compte. C'est ça que Jacques dit. C'est pour ça, au verset 15, il revient à la charge et dit encore une fois, c'est la prière de la foi qui sauvera. Oubliez le oint d'huile, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. En passant, le mot malade ici, c'est plus le même que verset 14. Il est plus spécifique. On le retrouve dans Hébreux 12, 3, entre autres. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, avec une lasse et point, l'âme découragée. Ça parle d'une faiblesse dans l'âme. C'est même que les Grecs l'utilisaient. Tu es faible intérieurement. Donc, ça continue plus à nous enligner vers l'idée de M. MacArthur, je dirais. Mais bon. Ce qu'on voit, c'est que cette prière va sauver le malade. Le Seigneur va le relever, restaurer, littéralement le reconstruire. Et là, on arrive à le péché. Ainsi, il a commis des péchés. Faisons attention ici de ne pas s'arrêter seulement à la cause. Vous savez, 1 Corinthiens 11, hein, parce qu'il avait abusé du repas du Seigneur, il était malade. Là, on s'arrête à, il a péché, donc c'est pour ça qu'il est malade. Ce n'est pas juste ça. Négligeons pas que dans la faiblesse, il y a aussi l'effet qu'on va pécher. Je m'explique. Quand j'ai mal, mais vraiment mal, je suis assez irritable. Je sais que ça paraît impossible, mais je ne suis pas une gentille personne. Je pêche donc. La faiblesse physique m'amène à pécher. Parlons aussi de la faiblesse spirituelle, émotionnelle, mentale, comme je dis la même chose. De nos jours, on n'a pas de diagnostic. TPL, bipolaire, et ainsi de suite. Je ne suis pas ici pour les dénigrer, non. Je veux dire que des fois, on l'utilise pour une excuse face au péché qu'on commet. Et je ne dis pas ça de façon froide et séparée, ça comme quelqu'un qui frappe des dents dures. Je n'appellerais même pas cette dépression, j'appellerais ça une souffrance dans l'âme. Ça fait si mal que j'aimerais plus revivre mes opérations à fret que de vivre ça. C'est une telle douleur que ça m'apporte littéralement à vouloir mourir. Je parle vraiment de qui est devant le train. C'est comme ça que je me suis senti de la tendre jeunesse. Honnêtement, je n'ai jamais aimé la vie, je me réjouis. Quand j'ai dit il y a quelques temps que ça fait 20 ans que je n'avais pas connu la joie que j'ai avec le Seigneur maintenant, c'est parce que je n'ai pas connu ça du tout. Mais, je suis capable de regarder ce temps-là maintenant et de réaliser que je péchais par mon attitude.
Je peux appeler ça tout ce que je veux. Dis, je fais de même, je suis dépressif. Non, tu pêches. Donc, comme je dis pas ça froidement, mais quand, s'il a commis des péchés, moi, je dis, si, et c'est le cas. Le péché est souvent rattaché à la faiblesse. Parce que c'est là qu'on est plus prompt à le faire. Mais, il ajoute, il lui sera pardonné. Ben, ça, c'est encourageant. Et je ne sais pas si vous avez fait le lien logique. OK. Péché pardonné, bien sûr, à cause de la prière. Les anciens ont prié. Donc, tu t'es confessé aux anciens, n'est-ce pas? Pour les anciens prier pour que Dieu te pardonne de ton péché, c'est parce que tu as confessé ton péché aux anciens. Ça, c'est logique. Oui, non? Oui. Donc, verset 16, confessez-vous les uns aux autres, arrêtez pas juste aux anciens, en d'autres mots. Mais je ne suis pas prête encore de parler de la confession. J'aimerais terminer notre petite exposition, de voir justement l'image que Jean nous donne sur la prière, 17 et 18, le Élie et la pluie. Encore ici, M. MacArthur, il y a une petite question pour nous. Pourquoi cette image? Si le texte parle de maladie physique, maintenant tu devrais parler de Élie qui guérit, non? Maladie physique, guérit. Non, lui, il parle de la pluie. Et voici la réponse que j'ai trouvée vraiment intelligente, c'est la terre était asséchée, souffrante. La pluie est venue l'abreuver, la ressourcer, faire produire du fruit. Un peu comme quand on ne va pas bien intérieurement. C'est tellement un bon argument que ça m'a fait changer position de maladie physique à carrément faiblesse tout court. Je suis d'accord, mais pas à 100% avec MacArthur. Mais ça, il lit. Et c'est la réalité qui était un homme comme nous apporte Jacques à faire la conclusion au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Parce qu'après ça, il nous donne l'exemple pour montrer que sa conclusion est vraie. Et donc, on va prendre le temps de décortiquer cette dernière énoncé, cette conclusion sur la prière. Premièrement, le mot, c'est pas prière dans le sens demander, mais c'est supplication. Je pense que vous comprenez la différence. Une supplication, tu tiens vraiment au Dieu et tu ne lâches pas jusqu'à temps qu'il réponde. Tu luttes comme Jacob avec l'ange. Ça, c'est une supplication. Et ça va très bien avec ferveur ou fervent, qui veut dire de s'engager à. Je m'engage à ne pas lâcher Dieu jusqu'à temps qu'il réponde. Et ça, c'est efficace, qui est le mot grec énergon, qui bien sûr donne le mot français énergie. Ça, c'est la puissance. Et justement, ça fait penser à la façon que M. Mayer le traduit. Très puissante, la supplication d'un homme juste énergisé. De notre façon de comprendre qu'est-ce que Jacques nous dit. La personne est énergisée, la personne, elle est engagée, et cette supplication réussit. Mais vous réalisez qu'il dit un homme juste, hein? Ou pour nous, ça dit le juste. Je ne crois pas que Jacques parle d'une justice imputée, parce qu'il n'en parle pas du tout dans tout son livre. Pensez au chapitre 2. Au chapitre 2, il nous dit que cette justice, elle vient des œuvres, n'est-ce pas? Des œuvres qui sont produites par la foi, mais c'est quand même des œuvres qui te rendent juste. C'est ça l'argument de Jacques. Donc, il me semble ici qu'il parle de croyants qui vivent d'une façon juste ou qui sont fidèles au Seigneur. Très bien, le verset 15. La prière de la foi. Encore là, tu t'engages, tu t'attaches, tu fais confiance à Dieu. Et là, on voit au verset 15 qu'il y a vraiment une certitude. Hein? Moi, je reviens encore au verset 15. Il parle de « sauvera le malade ». Pas « peut-être va sauver ». Pas « ça se peut qu'il sauve ». Il y a une certitude de ce que Jacques dit. Il dit ensuite « le relèvera », c'est sûr. Puis il va pardonner. Même verset 16, hein, « pour être guéri ». Il y a une certitude derrière ce que Jacques dit. À tel point que les guérisseurs de foi, les faith healers, vont dire ça, ça prouve que c'était de la foi, Dieu doit répondre. Là, nous, on dit, ben là, mais le texte dit vraiment ça. On fait quoi? C'est là que l'information plus grande nous aide. Rappelez-vous que Jacques a une approche de sagesse, comme Proverbe. Je pense que vous savez que les promesses dans Proverbe, qui sont certaines, ce n'est pas des absolus. Même s'il dit « fais ceci et cela va arriver », ce n'est pas un absolu. Mais c'est quand même un encouragement de faire ce qui est sage pour qu'il y ait des résultats. Un des aspects que je vois ici, c'est ça, que Jacques est en train de nous dire « si tu as cette foi-là, puis si tu persévères, tu peux t'attendre à des résultats. » Mais moi, je vais aller encore plus loin que ça. Je vais vraiment me concentrer sur l'aspect de la foi. Pensez à Daniel. Daniel est un homme juste, n'est-ce pas? C'est ce que ça nous dit.
Daniel était un homme fervent dans l'étude de la parole, à tel point qu'il s'est rendu compte que, on est supposé retourner à Babylone après 70 ans. Car ça monte, c'est le temps. Donc, il demande avec certitude, tu as dit que tu me renvoies après 70 ans. Désolé. Et il renvoie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit oui. Daniel a prié avec la certitude parce que Dieu l'avait dit. C'est un décret et c'est confié en ça. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ou est-ce qu'on sent une pression, un désir de plaider pour quelque chose, puis à la fin de cette explication, tu peux dire, ça venait de Dieu ça, il veut répondre. Et Dieu répond. J'ai fait l'expérience plus qu'une fois, tu sens cette pression, tu dis, ça venait de Dieu. Ultimement, c'est venu de Dieu. C'est ça la foi que je vois ici qui donne une certitude de réponse. Donc, cette prière est si importante que, oui, je vais la mettre sur la tablette théologique. La prière puissante. La prière. Étant ici, on va reprendre le sujet de tantôt. Il faut que ça sorte. On a vu une progression face à cette idée, n'est-ce pas? On l'a vu au verset 13, que ça sort toi seul devant Dieu. Prie. On a vu au verset 14, ça appelle les anciens, puis même on parlait de confession. Là, on se retrouve au verset 16, puis ça dit « Confessez-vous les uns aux autres. » Là, tout le monde est impliqué. Là, on arrive au sujet que je vais discuter, la confession mutuelle. Je méditais sur la façon de la porter. Ma première idée, c'est de prendre tout ce que j'avais appris dans plusieurs livres, puis de vous garrocher ça. Dieu a dit non. Non, toi, tu exposes le texte. Sauf que il nous reste un énoncé à vraiment étudier. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça va être plat. Donc, j'ai choisi à la place d'imiter un frère que j'aime et je respecte et de vous présenter ici trois fausses conceptions de la confession mutuelle. Je me confesse bien sûr que le frère que j'imite, il est juste là. Imitation is the sincerest form of flattery. Pour les non-anglophones, tu imites ce que t'aimes. Désolé, depuis le mariage de Joël, je prêche en bilingue. Bon. Je vous donnais un petit peu de jus de raisin avant de vous donner la médication un peu plus amère. Parce que oui, ça se peut que c'est ça qui fasse mal ici. Donc, la première fausse conception. Il ne faut pas tout dire. On ne veut pas notre sac au complet. C'est là qu'on va faire une petite étude du texte. On va faire une petite leçon de grec. Va, gorgée d'eau. Donc, le mot « confesser », c'est le mot « exomologio », mot « composé ». Premièrement, « mologio », comme vous pouvez voir, ça veut dire la même chose ou être d'accord avec. Dans un contexte avec Dieu, ça veut dire être d'accord avec lui. Lui, il dit ça, c'est un péché. Et tu dis ça, c'est un péché. Tu ne dis pas, c'est un « oups, c'est ma faiblesse, c'est pas de ma faute », tu dis « dans ma nature pécheresse, j'ai choisi volontairement de te désobéir, j'ai péché ». Mais comme j'ai dit, il y a aussi le petit exo, qui veut dire complètement sans retenue. Donc, tu vides ton sac. C'est ça que ça veut dire. Le but, ce n'est pas de vider le sac pour vider notre conscience. Ouh, j'ai vomi tout ça, ça fait du bien. Le but, c'est d'être vrai les uns avec les autres. Comme on voit dans un contexte plus large, le verset 14 et 15, c'est dès que tu partages tes fardeaux, tes faiblesses avec les autres. Donc, à partir de jeudi, j'ai une requête personnelle, tu dis qu'est-ce que tu as besoin. Tu partages ton cœur. Mais dans le contexte plus intime, verset 16, tu confesses tes péchés, transgressions, manquer la mire, t'as fait ce mal-là et tu le dis. Paul dit aux Éphésiens, pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres? Paul ne dit pas, dites certaines vérités les uns aux autres. Ce vieux dicton-là, pas toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est pas dans la Bible, ça. C'est dans le monde. Un peu comme Jean, il n'y a pas de limite à ce que tu dois dire, tu vides ton sac. Monsieur Bonhoeffer, une petite question pour vous ce matin. Pourquoi est-ce qu'on est plus à l'aise de vider notre sac devant Dieu qui est saint, parfait et qui déteste le péché que devant des frères et sœurs qui sont des pécheurs comme nous? Pensez à ça un instant. Je sais qu'on a toutes sortes de réponses. Voici la sienne. L'orgueil. On ne veut pas être humilié devant les gens.
On veut pas que les gens nous jugent. On veut pas, justement, que ce gros orgueil soit écrasé. Et moi, je suis d'accord avec lui. Quand je parle de mon passé, je parle souvent que je portais des chaînes. Jamais je vais dire, littéralement, j'étais accroché à la pornographie. Parce que voyons donc, c'est donc bien dégueulasse. Cette corruption-là qui te corrompt dans la façon que tu comprends la sexualité. Et ça, de pendant 10 ans, je baignais dedans. À tel point que ça a vraiment affecté mon couple. C'est humiliant. C'est ça, la confession. C'est ça, de briser l'orgueil. Les puritains, ces fanatiques-là, croyaient que l'orgueil, c'était le pire des péchés. Et donc, des fois, Dieu nous livrait à d'autres péchés. Attends, je répète ça. Des fois, Dieu nous livrait à d'autres péchés pour nous humilier. Et je suis d'accord avec eux autres. Parce que le but, c'est de détruire cet orgueil. C'est qu'il nous empêche d'être vrais les uns avec les autres. On va briser notre orgueil et à regarder le prochain. Il ne faut pas dire à tous, dans le sens n'importe qui. Il faut choisir à qui on se confesse, n'est-ce pas? Monsieur Bonhoeffer va justement dire que tu choisis quelqu'un qui te fait confiance et qui est mature dans la foi. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que Jacques, il ne donne pas de lien spécifique. Il n'y a pas de petite parenthèse grecque qui dit envers celui qui te fait confiance. Non, ce n'est pas dans le texte. C'est les uns, les autres. Voilà. T'es-tu en train de dire, tu vas confesser ton péché de pornographie devant des enfants? C'est exactement ce que je viens de faire. Donc oui, c'est ça que je veux dire. Si on recule, encore une fois, aux forts et aux faibles qui s'entraident et qui se supportent, on se dirait que le faible qui a péché, Galates 1, devrait vraiment se confesser au fort. Moi, j'ajouterais que ce fort devrait montrer sa faiblesse à l'autre pour créer des meilleurs liens. Comme j'ai dit tantôt, depuis des mois, Dieu me dénude devant plusieurs et je le loue pour ça. Parce que ça leur a montré que j'étais aussi faible et pécheur qu'eux autres. Et ça a créé des liens beaucoup plus intimes entre nous. Donc, oui, on devrait vraiment être prêts à le faire devant tous. Et c'est certain que c'est plus facile de se confesser envers Jacques, les gens en qui tu as confiance. Les gens avec qui tu as une affination. Je me sentais beaucoup plus confortable auprès de Joël, c'est certain. On était deux spéciales ensemble. Que devant Marc-André, disons. Je pense que ça va, on n'est pas pareil, hein? N'empêche que depuis les derniers mois, le Seigneur nous a permis, moi et Marc-André, d'être vrais l'un avec l'autre. Et je dirais de mon côté que ça l'a beaucoup ajouté à notre relation. Donc, on brise ces murs qui nous empêchent d'être vrais les uns avec les autres en se confessant à tous. Et je dirais même qu'il y a un aspect nocif lorsqu'on se retient et qu'on met ces fameux masques, ce fameux maquillage de retenue, surtout dans les relations plus proches comme les familles. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose que beaucoup d'enfants de chrétiens qui voient leurs parents comme des religieux hypocrites. Il me semble que ça aiderait quelque chose si les parents disaient, je pêche, je te confesse, je suis un pécheur moi aussi. Mais je n'ai pas d'enfant, donc je vais passer par-dessus ça. Toi, dans les couples, j'ai connu ça un peu. C'est triste à dire qu'on a tendance à trouver des excuses pour ne pas se confesser les uns envers les autres en tant qu'époux et épouse. Je ne veux pas la blesser en lui disant que j'ai des tentations envers une autre femme. Voyons donc, ça va la démolir. Je ne peux pas me confesser à lui. À chaque fois que j'essaie de lui parler, il me comprend mon problème. Ou bien sûr, il ou elle ne va pas bien. Si je fais ça, je vais ajouter des fardeaux sur ses épaules. Alors, cela, je l'ai utilisé en passant. Je me suis rendu compte assez rapidement qu'on épouse n'était pas fort, donc tout de suite, j'ai pris son fardeau et les miens en même temps. Ce peut sembler noble, mais Dieu m'a dit non, ça marche. Et donc, à plus une reprise, il m'a écrasé devant ses yeux. Et je peux dire que c'est là que Dieu l'a sorti de sa dépression. De voir, mon mari, il ne va pas bien. Il faut comprendre que d'être nus l'un devant l'autre, en tant que couple, c'est plus que pour l'acte sexuel. Je trouve ça triste que je connais des secrets de certains maris et femmes que leur époux ou l'épouse ne connaissent pas. Mais passons de ce cercle intime maintenant à celle plus large, la petite dernière. Il ne faut pas le dire devant tous, en sens confession publique. C'est exactement ce que Jacques veut dire. Le verbe qu'il utilise, selon des experts comme A.T. Robertson, veut littéralement dire confession publique, devant tous. OK, tu veux dire qu'on est en groupe intime, tu sais, entre frères et sœurs. C'est inclus. Tu veux dire les mercredis soirs, on t'a dit, on devrait dire les vraies requêtes. C'est inclus. Mais là, pas le dimanche matin, c'est la réunion du Seigneur, ça. C'est inclus.
Même que les premiers chrétiens l'ont compris exactement de cette façon. Dans la Ditachée, qui est comme une confession de foi des premiers croyants, ils ont mis une règle. Avant que la réunion commence, c'est du dimanche, le culte, là. Ils devraient se confesser publiquement pour avoir des mains pures. Tu sais, quand Paul dit à Timothée que les hommes doivent lever des mains pures dans la prière, mais selon eux, tu commences à te confesser, ensuite tu vas prier à Dieu. Et je ne vais pas juste me concentrer sur l'aspect obligation ici. De dire, à partir de dimanche prochain, tout le monde se confesse. Pas juste, tu l'as déjà fait, toi. À la place, j'aimerais plus regarder l'aspect utile ou bénéfique. M. William Newton Blair a écrit un petit livre où est-ce qu'il a étudié sur les derniers réveils, comme en Corée, en Chine, et ainsi de suite. Et s'est rendu compte que tous ont comme élément déclencheur la confession publique. Le fait que les gens, on est des pécheurs. Ça devrait nous faire réfléchir. Donc, encore une fois, avant sa citation. Nous pouvons avoir nos théories sur l'aspect désirable ou indésirable de la confession publique. J'avais la mienne. Mais je sais que lorsque l'Esprit de Dieu pèse sur une âme coupable, il y aura de la confession. Et bien sûr, le point important, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas imposer à partir du dimanche prochain, on se confesse, mais de réaliser que quand l'Esprit prend la parole, l'applique à nos cœurs, quelque chose se passe. Justement, regardez la parole de Dieu. Je ne vais pas vous faire tourner, ça va être au mur. Mais commençons avec l'Ancien Testament. Les Juifs post-israélites qui revenaient en Israël ont eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? D'un bord, tu avais les ennemis qui les empêchaient de construire, et de l'autre, tu avais du péché dans le peuple. Il y en a beaucoup qui s'étaient mariés à des femmes étrangères. Même après qu'ils ont construit le temple, ils vont devenir religieux. Mais ça, c'est autre chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des problèmes, mais il y a eu un réveil. Quand Esdras a lu la loi de Moïse, ça les a piqués au vif. Et le lendemain, le 24e jour du même mois, les enfants s'assemblent, sont tous ensemble, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et de leur part. Vous savez qu'il y avait des enfants, leurs femmes étaient là, des petites grand-mères. Ils ont confessé leurs péchés et ceux de leurs parents. Ça, pour moi, c'est vider ton sac. Je suis un ivrogne, mon père est un ivrogne qui battait ma mère. Ça, c'est vider ton sac, devant tous. Tournons maintenant vers le Nouveau Testament, le réveil en Asie mineure. On parle de l'enseignement païen dans les cas de Tyrannus. Il y a plusieurs ouvriers qui ont été formés, des églises établies partout à travers les îles mineures, et bien sûr, un réveil en Éphèse. Où est-ce qu'on lit ça? Plusieurs de ceux qui avaient confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ici, c'est public. Et le fait qu'il parle d'un feu me fait penser à... devant tout le monde, là, c'est dehors, ou qu'il y a des non-sauvés aussi. Des non-sauvés qui voient ces bizarres de chrétiens en train de partager leur péché à tout le monde. Vous savez, une des grosses critiques que les gens du monde disent, les chrétiens, c'est des hypocrites. Ils disent une chose, puis ils vivent de leur façon. Eux autres disaient, on est des pécheurs. C'est ça qu'on est. On ne le cache pas. En plus, j'aime bien que Luc ajoute deux mots. Il dit confesser et déclarer. Hein, je suis d'accord avec Dieu, c'est un péché, puis ils ont tout donné la liste. Ils n'ont pas caché des choses. Et j'ai ajouté la dernière partie, le fait qu'il brûlait tout pour montrer, ça c'est vraiment l'œuvre de l'esprit. Tu ne brûles pas 50 000 pièces d'argent de stock. Et certains ont calculé, ce serait des centaines de milliers ou même des millions de dollars maintenant, si ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Donc, non, mon désir, ce n'est pas de faire un réveil ce matin. C'est d'exposer le texte. Vous présenter qu'est-ce que c'est écrit noir sur blanc. De reprendre ce sujet de la confession mutuelle et de ramener non seulement devant vous, mais je dirais standard parfait de Dieu. Et quand je dis standard, je ne veux pas dire la règle, je veux dire littéralement Dieu lui-même. Dieu est vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Et quand Dieu s'est révélé, il a dit, je suis comme ça, que tu l'acceptes ou non. Bien souvent, on a de la misère à l'accepter. Mais la confession publique, c'est ça. Je suis fait de même, je suis un pécheur. Peu importe ce que tu as à dire. Donc,
j'ai comme causé certains ennuis. Parce que maintenant, vous n'avez plus l'excuse, mais moi, je pense que la confession est ici. Ouais, désolé, le texte dit ce qu'il dit. Là, vous êtes redevable entre obéir et désobéir. C'est froid et dur à dire, mais c'est ça que Dieu me dit pendant un mois. Tu sais qu'est-ce que ça dit le texte. C'est à toi de décider. Tu obéis ou tu désobéis. Mais je veux encore une fois pas juste mettre le fardeau. Parce que Jacques écrit à des gens qui souffrent puis il veut leur faire du bien. Il veut leur donner des remèdes. Il y en a deux que je vais vous montrer. Le premier nous ramène à la tablette théologique et la puissante prière. On l'a vu ça aussi, ça s'est progressé à travers l'étude. En premièrement, tu pries seul avec Dieu. Ensuite, tu impliques tous les anciens prient pour toi. C'est ça de puissant. On voit au verset 15, ça va amener des établissements, des gens qui vont te sauver de leur maladie. Là, tu arrives au verset 16, puis tout le monde prie pour toi. Et là, il arrive à l'image d'Élie, qui dit, gars, c'est miraculeux. Quand tout le monde prie, c'est miraculeux. Mais pour ça, il faut que tu te confesses. Pour ça, il faut que tu montes ton cœur à l'autre. Parce que tu montes ton cœur à mon cœur se déchire. Si un frère me dit, prie pour moi, ça ne va pas bien, oui, je vais prier pour toi. Si tu me dis, prie pour moi parce que j'étais à ça, abandonner la foi, j'ai plus goût de vie pour Christ, le premier mois, je priais soir et nuit pour toi. Je ne vais pas lâcher le morceau parce que tu m'as montré ton cœur. C'est comme M. Bonhoeffer, il dit, celui qui souffre seul est vraiment seul. Et ce que Jacques veut faire ici, c'est de briser cet empêchement et dire, ouvrez-vous les ondes pour avoir cette puissance de la prière. Un certain homme a dit, une église qui a de l'argent a ce que l'argent peut faire. Une église qui a des gens a ce que les gens peuvent faire. Une église qui prie a ce que Dieu peut faire. Hein, je vois vos réactions. Pourquoi qu'on ne prie pas ensemble, donc? Pourquoi on ne vient pas ensemble en tant qu'église pour plaider, Seigneur, intervient auprès de nous? Pourquoi qu'on néglige cette puissance que Dieu veut nous donner? C'est un peu ça la question que Jacques nous poserait, n'est-ce pas? Pourquoi on veut s'empêcher de réussir dans ce combat de la vie chrétienne? En parlant de combat, ça mène à ma deuxième bénédiction. Ce cancer qui ravage le corps de Christ et chaque membre, je parle du péché. La guerre contre le péché. Avant d'en parler, j'ai deux questions pour vous, moi. Premièrement, est-ce que vous vous considérez comme des pécheurs qui font des péchés? Avant de dire oui, pensez à ce que la Bible dit. Les excès du boire et du manger est un péché. La paresse est un péché. La médisance. En passant, la médisance, c'est parler en mal de quelqu'un, même si c'est vrai, dans le but de faire mal paraître. Si tu n'es pas spécifiquement en train de faire bien paraître ton frère, la Bible dit aussi que tout dérangement, frustration, colère, amertume intérieure, c'est un péché. Si tu es dérangé contre quelqu'un, tu pêches. La Bible dit que l'anxiété, la crainte, c'est un péché. Donc, êtes-vous vraiment appelé ces choses péchées? Est-ce que comme Dieu, vous les confessez lorsque vous les faites? Ça, c'est la prochaine question. Voulez-vous vous débarrasser du péché? Je ne parle pas des péchés, je parle de la nature pécheresse. Parce que la Bible est assez radicale dans la méthode qu'on s'en débarrasse. Et ça nous ramène à la première question. Si tu considères vraiment que tu es un pécheur, tu veux vraiment t'en débarrasser, amputation. Coupe ta main, arrache ton œil. Dieu te brise pour enlever le péché. Et bien sûr, confession mutuelle. Tu te dénudes, tu te déshabilles, tu te rends humilié devant les frères et sœurs. On est-tu prêt à ça? Est-ce qu'on veut vraiment être débarrassé du péché, donc? C'est ça les questions. Oh, trop vite. Désolé. Mais je me rappelle encore, avant que Joël se marie, on se voyait à chaque vendredi. Et il y avait une question qu'il me posait. Une question qui me dérangeait, mais que j'appréciais. Il me demandait comment va ton combat avec ton péché. Ouais. Parce que bien sûr, il a pris surface, si je peux dire, et je vais même confesser que oui, j'ai chuté. Je ne pense pas que vous avez besoin de vous expliquer ce que je veux dire. Si vous avez suivi le message, vous comprenez de quoi je parle. Mais de devoir rendre des comptes à Joël à chaque semaine, ça donnait de l'efficacité à mon combat. M. Bonhoeffer, lui, il dit que des fois, en se confessant à Dieu, en réalité, on se confesse à soi-même. Parce qu'on ne prend pas en considération comment on réagit, on ne voit pas Dieu.
Mais quand tu te confesses à un frère qui te regarde dans le blanc des yeux, ça frappe dur. Paul enseigne une petite chose aux Éphésiens que j'aimerais vous partager. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'il faut. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Je n'ai pas étudié le passage, mais ce que j'en comprends, j'en applique. Tu condamnes, tu le confesses, tu l'appelles péché. En faisant ça, tu l'amènes à la lumière fait disparaître. Donc, quand tu te confesses à Dieu, tu l'amènes à une lumière. Quand tu te confesses à un frère, tu l'amènes à deux lumières. Quand tu te confesses devant l'Église, il n'y a plus de place pour le péché se cache. Là, bien sûr, soyons honnêtes. En réalité, quand tu fais ça, il y en a qui vont te juger. Il y a toujours des chrétiens qui jugent les dégueulassités des autres. Et ainsi, il y en a qui vont t'en foutre. Désolé du langage, mais il y en a qui sont déjà préoccupés avec leurs propres difficultés. Donc, oui, je m'excuse pour toi, mais j'ai mes affaires à vivre. Mais il y en a qui vont t'intéresser, qui vont vouloir prier pour toi et t'aider. Mais de toute façon, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas le résultat. C'est l'obéissance. Jésus a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Et si on comprend que les commandements de Dieu, la loi, c'est pas les règles. C'est Dieu qui montre son cœur et qui dit, ça c'est important pour moi. Donc, si tu m'aimes, tu veux ça. Un peu comme dans un couple. Hein? Ça, c'est important pour toi, donc c'est important pour moi. Moi, j'espère que c'est comme ça dans vos couples. Parce que c'est comme ça dans le couple avec Dieu. Dieu dit, ça, c'est important pour moi. Je veux que vous soyez vrais les uns avec les autres. Et donc, c'est ça qui m'a amené à me soumettre ce matin et dire, je te fais confiance. Peu importe les résultats. Donc, je me prépare. Oui, c'est ça. Je me prépare à prier. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec certains aspects du message ou ma prière en soi, dites pas « Amen ». Je suis sérieux ici. Faites pas un petit « Amen » religieux parce que j'ai fini de prier. Réalisez que « Amen » veut dire « Ainsi soit-il ». Je veux que ceci arrive dans ma vie. Je veux que Dieu me mette tout nu devant tout le monde, dans toute ma laideur. Si c'est pas ça que vous voulez, dites pas « Amen ». Quand j'ai prêché à Charlebourg la dernière fois, j'ai prié sur ce que j'appelle le « brisage de Dieu ». Le fait que Dieu nous prie, c'est pour nous défaire du péché. À la fin, j'ai prié, « Seigneur, amène nos cœurs à vouloir être brisés par toi. » Le lendemain, quelqu'un m'a écrit pour dire, « Je ne pouvais pas dire amen à ta prière, parce que je ne veux pas que Dieu me brise. Je suis content dans la vie chrétienne, et je n'en veux pas plus que ça. » Dieu était vrai devant Dieu. Donc, prions. Ô Dieu, Dieu transparent, Dieu tout-puissant, Dieu vrai et honnête, qui se révèle à nous sans cacheterie. On dit qu'on veut t'imiter. Aide-nous à le faire. Père éternel, on veut prendre au sérieux chaque commandement et pas se concentrer sur ceux qui nous semblent plus faciles. Fornication, on ne fera pas ça. Voilà, c'est réglé. Père, aide-nous à prendre au sérieux tout ce que tu as à dire. Amène nos cœurs à vraiment vouloir être exposés, oui, vouloir être exposés dans toute notre laideur les uns devant les autres pour réellement être unis les uns avec les autres. Aide-nous à considérer la puissance derrière la prière d'un cœur qui est déchiré et comment toute retenue et toutes les fois qu'on s'empêche d'être vrai avec toi, avec les autres, on s'empêche des bénédictions. Amène-nous, Père, à vraiment prendre au sérieux de quoi qu'on parle ici. C'est plus que de dire « ça va pas bien ». C'est de vraiment dire « j'ai péché comme ça ». C'est d'être capable de vraiment arriver devant les gens et de dire « j'ai fait ces péchés-là ». Agis sur nos cœurs. Agis sur nos cœurs pour qu'on réalise les bienfaits qui viennent avec, mais aussi pour qu'on réalise la sévérité que c'est ton commandement. Que ta parole, ce n'est pas un jouet. Si on se dit chrétien, si on se dit enfant de Dieu, gens du livre, ça veut dire qu'on obéit à ce que le livre dit. Ça ne va pas être facile, Père. Je ne pense pas qu'une belle petite prière ici va régler des choses dans le cœur de tous et chacun ce matin. Mais on a besoin, Père. On a besoin de voir le péché pour la laideur que c'est vraiment et de ne pas le minimiser. Et ensuite, on a besoin de le prendre et l'exposer devant tous et chacun pour le tuer.
mais encore plus aussi pour se connaître. Parce que c'est triste à dire à quel point que nous sommes si distancés les uns des autres parce qu'on n'est pas vrais les uns avec les autres. On se cache derrière des masques et du maquillage et toutes sortes de retenues qu'on justifie à la planche. Autant dans les couples, dans les familles que dans l'Église. On s'empêche d'être vrai parce que ça fait mal. On s'empêche d'être vrai parce qu'on va être jugé. Père, aide-nous à prendre au sérieux ton commandement ici maintenant et d'être vraiment vrai. Viens nous rendre transparents, viens nous dénuder les uns devant les autres. Qu'on résiste pas et qu'on t'aide. Donne-nous ce courage et cette force. Donne-nous ce désir, Seigneur Dieu. Amen.